L'arbre le plus haut du monde, il fait 10 mètres. 15 mètres. 20 mètres. Moi, je pense 100, 120 mètres. 300. Un millénaire. Le plus grand arbre du monde, il a pas la tête dans les nuages. Pommier, cerisier, chêne, pin, figuier, acacia, fraisier et rosier aussi. Un baobab, un palmier, banane, le muguet, un bananier, un bananier. Je sais pas, il y en a trop. Cactus, cocotier, châtaignier, le chêne, cerisier, le sapin, chêne américain, pommier, poirier, prunier, banzaï, noisetier, le catalpa, le cerisier, le figuier, le tilleul, les palmiers, l'acacia, le bonsaï, c'est un arbuste, le noisetier, le pin des Landes. J'aime bien le pin parce que je mange avec du kiri. Ils sont jolis. Ma couleur préférée, c'est vert et marron. Ma couleur préférée, c'est vert et marron. Ils sont gros, il y a du vent, et quand il y a de l'orage aussi, il se coupe en deux. Et après, l'arbre, il tombe. Il tombe par terre, ça tombe sur la tête aussi. Et même après, ça tombe sur le nez. Et quand les gens ils vont se promener, et bien, les arbres, ils tombent dessus. Et après, ils sont tous écrasés comme ça, comme un saucisson. Ma mamie, des fois, avec au fond de mon jardin, j'ai des grands bois, elle essaie en même temps de faire des cabanes avec moi. Un arbre, ça sert à faire des feuilles. Ça sert à vivre. Parce qu'il y a des bananes, il y a les cerises, il y a plein d'amandes. Des clémentines, par exemple. Des cerises. Il y a plein de fruits dessus. Des bananes. Des noix de coco. De la vanille. Et des cloupettes. Non. La fraise. Oui, ou des la framboise. Oui. Il y a des pommes. Et aussi des fleurs. Les oiseaux. Plein. Et parfois, ils ont des fruits. Pomme entière, pomme entière. Je te croque. Ça peut, quand les feuilles bougent, ça fait du vent, mais ça peut émettre des ondes qui vont juste à notre arbre. Oui, grâce aux racines, soit par les racines, soit par les feuilles quand ils bougent. Mais ils envoient des coups de jus, des ondes, qu'il s'est foulé une branche, s'est foulé une feuille. Non, il peut aussi se fouler des fruits si c'est un arbre à fruits. Et aussi, ils peuvent dire... Si l'un connaît pas la météo, ben il peut le dire. Ils doivent parler entre eux, mais on l'entend pas. Ben ils parlent. Ils parlent entre eux, ils se racontent des choses. Fait comme nous on parle. Par exemple, si nous on parle, et eux ils peuvent pas nous entendre, et nous non plus, quand ils parlent, on les entend pas. Les deux, on les entend pas et on les comprend pas. S'ils disent rien, on peut pas les comprendre. Ils ont pas de bouche, regarde là-bas. Mais non, ils ont pas un cœur de bouche. Et regarde, ils ont pas de pieds. Non, ils ont pas des mains et des bras. Non. Parce qu'ils ont pas de pépettes et des pipes. Parce qu'ils ont pas de... Ils ont rien pour voler. Mais non. Parce que en fait, les arbres, ils ont pas de yeux. Et ils ont pas aussi de langue. Il a des feuilles qui vont pousser. Parce qu'en fait, ils ont pas de bouche. Ouais, il est un peu triste de ne pas pouvoir marcher. Ça marche pas parce que c'est planté dans la terre. Les oiseaux migrateurs, ils disent aux arbres, ils racontent leur histoire. Bah, il s'imagine, il se fait un film dans la tête. Il lui demande ce qu'il a fait dans son voyage. Il raconte s'ils sont allés en Afrique, s'ils ont vu des lions, s'ils sont allés en Amérique, s'ils ont vu
Donald Trump. Il bouge pas de la terre. Parce que sinon il tomberait à la place. Qu'avec le vent, il peut bouger. Et du coup, ben, il peut bouger qu'avec le vent. Ah ben, c'est la vie. Ils ont été faits comme ça. Les branches, elles bougent et du coup, ça fait des bruits sonores et on peut pas les entendre, les bruits sonores. Parce que pour nous, ça fait pas de bruit, mais pour eux, la nature, ça fait du bruit. Cui-cui. Si j'étais un oiseau, je me dirais que... C'est bien pour faire un nid. On peut utiliser les feuilles mortes. Les brindilles. Il y a plein d'endroits pour jouer à cache-cache. Les oiseaux. Les oiseaux, ils font une chanson. Ils font cui-cui-cui. En l'air, sur la tête, aux épaules, et en avant. Toi, j'ai sur ton tête, pour les lions, je t'ai... Chut.